Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la sur l'épisode 2 et les Dangerous Horizon. Donc chers amis, nous partons dans un système que m'a conseillé donc Nicolas, hein, vous connaissez sans doute si vous avez vu quelques-unes de mes vidéos en live. Encore merci à toi Nico. Apparemment j'ai quelque chose de sorti, j'imagine que c'est mon armement. On y va. On a quelques soirées donc avant l'arrivée, donc 7 au total. Une fois qu'on y sera, j'espère pouvoir y trouver une zone de conflit, tout simplement. C'est vrai que j'espère en tout cas en trouver, au moins sur le chemin. Hop, on accélère. Je suis pas dans le bon sens du tout. Hop là. Voilà. Nous sommes toujours avec notre magnifique piton. Superbe piton. Donc on va toujours chercher à aller plus loin. Hein. On va viser l'anaconda la prochaine fois. Il y aura peut-être pas de séquence de farm, j'espère. Ou alors sinon, si ce sera vraiment un autre chose que du farm normal, classique. Ok, donc on n'a rien dans le coin. Je vais quand même en profiter pour faire le plein. Pendant que j'en profite pour faire le plein, j'aimerais... Je me rappelle plus de mes touches hein, depuis le temps. Ok, là je vais avoir chaud. Mais non, blah. Alors non seulement je me rappelle plus de mes touches, mais je sais plus comment on joue non plus. Allez, d'accord, en fait je coupais le moteur à chaque fois que j'avançais. D'accord. Escamotage, voilà, c'est bon. Comme ça je pourrais faire une petite recherche. Voilà. Et on y retourne. J'espère que j'ai pas pris trop de dégâts quand même. Bon, détecteur d'avis de recherche. What, l'ordinateur d'appontage aussi. Mais c'est... Bon, c'est pas grave. No matter what, I will continue. Voilà, c'est dit. Il y en a qui disent qu'il y a des Anglais qui me regardent, et merci à eux. Et qui me disent donc que j'ai un accent qui est pas trop mal. Donc je viens de dire merci à des Anglais, en fait, ça m'a fait tilter. Thanks guys. Oh. Alors, est-ce qu'on a des... Oula. Non. 400 litres par 400 litres, madame. On y va. Parfait. La chouite. Ça montera pas assez haut, je te dis. Voilà. Next. On peut se les faire ces sauts, merde. À la fin. J'ai soif. Hop. Faut dire que j'ai tourné du Fallout juste avant. À peu près 3 heures de Fallout juste avant. Sans boire un coup. Alors que j'avais une bouteille juste à côté de moi, bien sûr. L'alcool, hein. Vous vous doutez. Ne buvez pas, les amis. L'alcool c'est pas bon, faut boire de l'eau du robinet, qui est pas bonne non plus, mais c'est pas grave. Hop là, ça c'est fait. On y va. Pam 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 pam. Pourquoi je fais ça, enfin la musique de la marche de l'empereur. C'est ça en plus hein. C'est la marche de l'empereur. Ok. Où qu'il est mon vaisseau? Oh. Oh. Il est-il pas beau mon vaisseau? Ce qui est cool c'est que je suis supposé. Mais j'y pense. Est-ce que je peux par exemple? Est-ce que là, à l'heure actuelle, est-ce que ça marche? Il m'attend, non? Ah merde! Comment je peux faire? J'ai chié dans la colle, les amis. Ah bah non, mais le vaisseau est immobile.
crois que le vaisseau est complètement immobile en fait. Quand on lance la caméra. Dommage. What the fuck? Bug! Merci. Qu'est-ce qu'il y a par là? Hop, y'a rien. Je vais quand même la refaire. Voilà. Est-ce que ça va rebugger? Telle est la question. Oui, ça va rebugger. C'est mon vaisseau qui me le dit. Alors. Quand est-ce qu'il faut un vaisseau décapotable? Ça va être drôle. Pouf! Aspiré. Net. Ce serait épique. Non, mais ça serait un vaisseau super classe. Genre, au moment où vous rentrez dans une zone d'atmosphère, la toiture s'ouvre. Oh, ce serait stylé. Ce serait tellement stylé! Faisons le plein. Ça, je pense pas que je peux faire le plein plus vite là, hein. Pour le coup. Oh, critical, critical, critical! Warning! Ça y est, ils sont mis à vendre d'autres voies, je crois, pour. Pour notre IA, avec du vrai argent. Stupide. Absolument stupide. Surtout quand on, quand on connaît le coût d'une livre sterling, c'est absolument stupide. Parce que oui, c'est comme quand on vous vend un jeu, je sais pas, 9,99€, et qu'en France, il arrive à 9,99€. C'est pareil. Quand on vous le vend... Bah non, justement, c'est pas comme ça. C'est l'inverse. C'est-à-dire, quand on vous le vend, le jeu... forcément, oui, c'est facile. Justement, ce qui marche dans un sens ne marche pas dans l'autre. C'est ça que je suis en train de dire. Là, à partir du moment où on vend 19 livres, forcément, la livre étant plus chère que l'euro, quand vous achetez un truc 19 livres, en fait, il vaut 25 euros à peu près. Enfin, je crois 23 euros, 24 euros. À vue de nez. Pas de zone de conflit, bon bah plus qu'un dernier saut alors. Et on sera arrivé. Au final c'est pas un si mauvais... Bon il est pas excellent, hein, mais il est pas bon non plus. Ouais non, il est pas mauvais en exploration. C'est ça que je veux dire. Je fais quand même 13 par 13 et je recharge pas souvent. Enfin, je recharge à quoi parce que je suis débile mais... Appel de détresse. C'est con, je suis parti. Donc bien entendu, nous allons nous attaquer à une zone de conflit suivant le niveau qui sera disponible, sans avoir fait les réparations nécessaires avant, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Y a-t-il des zones de conflit? Nicolas, y a pas de zone de conflit! Salaud! Salaud! Je vais lui dire, je m'en fous, je lui dis, tiens bah. Appel de détresse. Alors, attendez, je me mets dans l'axe. Voilà. Voilà, c'est dit. Salaud! Bon, alors déjà, quand on voit qu'il y a deux vaisseaux qui sortent de l'appel de détresse, on se dit que ça pue du cul un petit peu. Mais c'est quoi ce FOV de la mort? Voilà, c'est mieux comme ça, non? Vous trouvez pas? Pourquoi ils zooment comme un malade mental? Allez, c'est bon. On approche.
Pagis. Merde, allez. J'y suis. Y'a rien. Voilà. Voilà. Wow. Échec de la liaison système, aucun interférence de sécurité possible. Comment ça, je vais... Mais merde! What the fuck? What the flaming fuck? What the fuck is that? Ah, il y a un python dans le tas. Bah oui, je comprends mieux. Et où est-ce qu'il est, ce con? What? Fuite! Alors, merci à ceux qui ont répondu à mes questions. Hop. What? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? 21% en quelques secondes. What the fuck? Alors plus jamais je vais aider des gens. Mais alors plus jamais. Direction le Gernsback Terminal. Plus jamais j'aide des gens. Vous m'entendez, monsieur l'agent? Plus jamais. Je vais devenir pirate. C'est dit. Oh nom de Dieu. Comment ça a pu arriver, ça? Oh, genre. Mais tu vas freiner, oui? Ah, puis je vois pas où est-ce que je suis. What? What the fuck? Et pas vrai que... Va te faire foutre. Gernsback Terminal, le retour. Ça fait tellement longtemps. Tu m'as manqué. T'as pas idée de ce que j'ai pris dans le nez. J'ai plus un vaisseau, j'ai une carcasse. Oh nom de Dieu. Alors déjà, j'arrive dans le champ de bataille, parce que j'arrive dedans. Je manque de me taper un vaisseau. Et en plus, il y a un python vétéran qui m'attend. Wow! La vie d'un pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies. On se dit la clarate quand on est pirate, oui on rit dans la piraterie. Oh, oui on rit dans la piraterie. La vie d'un pirate à bord d'une frégate, elle tombe toujours à l'eau. Dans les omoplates, un bon coup de couteau, on ne fait pas de vieux os sur les os. Wow! Sur les os, on ne fait pas de vieux os. C'est le moment chanson de la vidéo. S'il te plaît, ne fais pas le con. Oh, j'ai peur. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Tu peux y aller, j'ai rien d'illégal. Par contre, qu'est-ce que j'ai pris dans le nez, mon pote? Si t'as 2-3 extincteurs sur ton vaisseau, j'en veux bien. Ok, ça passe. Alors là, s'il me booste tout de suite maintenant, là, je le bute. Le truc de pilotage. Oh nom de Dieu. J'ai pris tellement cher. J'ai pris tellement cher. Oh la gueule. Et j'avais un survoltant de bouclier, hein. Il était actif au moment où je l'ai... Hein. D'ailleurs à ce sujet... Bonjour.
Comment dire, j'ai un léger besoin de réparation. Oh putain. Et bim, 50 000. Ça fait mal. Réparation quand même, on va aller voir jusqu'au bout. Non, c'est bon, il est bien réparé. Marché. Eh hey, mais j'ai un vaisseau, non pas à Gernsback. Peut-être à Gernsback. Peut-être. Alors, je vais pouvoir vendre un petit peu mon... Les quelques thés que j'avais pris, vous rappelez? Que j'avais pris au sol. J'ai pas un vaisseau ici. Ah, vaisseau entreposé. J'ai mon Cobra MK3. Rien que ça. Alors, juste pour voir. Qu'est-ce qu'ils ont en plus gros? Le type 9. Un fer de lance. Transport type 7, transport de troupes, ASP Explorer. ASP Explorer, il paraît qu'il est cool. Je le dis et je le répète, il paraît qu'il est cool. Excusez-moi. Universal Cartographics. Voilà, ça paye la réparation du vaisseau, ce que j'ai vendu ce soir. Enfin, tout de suite. Ok, et on décolle. On y retourne, quand même. Heureusement que je... Alors, franchement, quand je me dis que j'ai pris un piton et qu'il s'est fait défoncer à cette vitesse, franchement, il y a de quoi se poser des questions. Tu me diras, j'ai pas réussi à l'aligner une seule fois, l'autre piton. Incroyable. Deuxième chose, tu me diras, je suis un très très mauvais pilote aussi, hein. Ok. Non, on les ressort. C'est pas grave. Que puis-je faire pour vous? Bah écoute, tu te penches en avant. Quoique Khalid, ça fait un peu garçon. Quoi toi? Crumble! C'est bien. T'es sage. Hop les boost! Oh, le pauvre bonhomme. Amende? Pourquoi amende? Ah, zone neutre. Bon. Pas grave, je les paye pas. C'est pas grave. Je ne paye pas mes amendes. Je me barre. Charles les mecs. Oh là là, violation de zone 2. C'est pas, je vais pas laisser les flics partir avec la prime, non mais t'as cru. Ah. Ah ah. Alors, est-ce qu'il y a moyen de se refaire? Tu me diras au moins rien qu'à lui tout seul, l'Orca là? Je sais pas ce qu'il a fait d'ailleurs pour être recherché, parce que l'Orca, voilà quoi. À lui tout seul, il m'a payé la réparation de mon vaisseau, donc c'est bon. Ah, une nouvelle cible, une cible perdue. Source de signal faible. Bah écoutez, on va aller voir. Petite dame, on va aller voir. Appelez. C'est parti, bonjour. Oh merde, il y a un cadavre. C'est ça, il y a un cadavre. What the fuck? What the fuck? C'est un cadavre. C'est un cadavre. Ah, est-ce que c'est loin de chez nous, ça? Six. Oh, c'est loin. C'est un chai. Eh, tu veux rire?
hop. Voilà. Par contre, il y a personne qui est venu, du coup, bon bah. On se barre alors. Alors. Ah, non identifié. Qui c'est qui veut se la mettre? Me dis pas que c'est la même. Ah non, voilà. Bonjour. J'ai rien dans ma soute. M'attaque pas. Ok, où sont tes copains? Deux. Il est un peu gros ce boost. Ah la vache. Hop. Toi je t'ai déjà pris. Toi t'as un casier vierge. Bon allez. Et de 1. Oh là. Ah oui mais je reculais depuis tout à l'heure en fait, je comprenais pas. On va essayer d'aller leur sauver la vie mais pas bon, c'est... C'est pas la première des choses que j'ai envie de faire. D'abord, je vais récupérer un maximum de primes sur eux. Ou alors, elle a porté de mon truc là. Merci de se réveiller maintenant. On y va. Les deux. Ah merde, je crois qu'ils ont pété l'autre. Fais chier. Ah, ils l'ont payé, ils l'ont pété. Merde. Bon, par contre, toi, t'as fait une connerie en me rescannant derrière. Eh bah si. Non, non, non. Eh bah si. Appelé. Bon niveau. Ah oui, c'est vrai, j'ai quelques crédits. Bon, bah écoute. Bon, jusque-là, c'est pas trop trop mal. On y retourne. Arranger les points d'emport quand même. C'est vrai que j'aurais pu utiliser ma paillette aussi tout à l'heure. C'était pas une mauvaise idée. C'est con. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? On va se rapprocher un peu de l'étoile, ça peut être sympa. De signal faible, celle-là, c'est celle dont je viens, j'imagine. Celle avec la carcasse. J'avance pas vite exprès, hein, je précise. Ah, ah, ah. Source de signal forte. En voilà une qu'elle est bien. Allons-y. Bonjour monsieur. Vous vous rappelez de ça? Oh, j'ai eu les boules, j'ai cru que mon micro n'enregistrait pas depuis le début. Je l'aurais eu dans le fion. Et c'est pas que je n'aime pas ça. Bon, par contre là on va vraiment pas vite. Hop là. Hello. Wow. On se calme, medical transport. Joli.
Je vais tous les analyser parce que des fois. Alors. Ok. Parce que c'est peut-être toi qui a maintenant force de défense du système, il va pas être. Peu de chance qu'il soit vilain celui-là. Bon. On va pas les embêter, ils ont déjà une mission pas drôle. Ah pardon. Oh. Je vous fais un facteur de masse perturbatrice, quoi. Génial. Allez. Accélère. Oh! Alors, est-ce qu'on va tomber sur quelque chose d'intéressant cette fois-ci? C'est là que tout se joue, hein. Est-ce qu'on va trouver quelque chose qui a de l'intérêt? De l'intérêt! Voilà, on se rend à la balise de navigation. Ça peut être sympa la balise. Toujours des gens à péter. On en fait 2-3 puis c'est bon. Alors, alors. Qu'on avance pas vite. Hein. Pourtant, je suis pas dans une accélération qui est censée être mauvaise. Je suis dans le bleu maintenant. Allez, pousse, 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 pousse. Pousse. Pas trop vite. Pas trop vite. Pas trop vite. On y est presque. Oh, dis donc, c'est vraiment nul. Hein. Et niveau vitesse, franchement, on en chie. Hein. Incroyable. Enfin, j'en chie, j'ai l'impression plutôt. Mais je ne connais pas Jean, je le connais pas si bien que ça, donc je peux pas savoir s'il a la diarrhée ou pas. Blague moisie, enfin blague de merde si on veut continuer dans le même sujet. Allez, c'est bon, hop, J. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça en fait du monde. Digimon! Je sais pas pourquoi je pense à ça. Vierge. Ceux-là, vu qu'ils volent en formation, je dirais qu'ils sont tous vierges. Leur casier, je parle. Hein. Bulldog, je vous ai à l'œil. T'as un nom de merde, tu payes. T'as quoi? Un piton, t'es con, pétant. Forcément. Fer de lance. Maître. Casier vierge.
Ah, il a une petite prime sur lui. Mais il est pas recherché, donc si je l'attaque, je prendrai une amende. Ce qui en soi n'est pas gravissime, hein, mais bon. Jouons-la un minimum correctement. Ah, où êtes-vous, les mecs? Vous êtes les trois rigolos que j'ai déjà analysés, normalement. SP Scout. Oula, il lui colle au cul. Vas-y, vierge. On va rien trouver, vous êtes sérieux? C'est vilain. Ah, elle me cause. Attendez. Elle me cause. Bon, y a pas plus de vilain que ça, hein. Je m'attendais à mieux. Honnêtement, je m'attendais à mieux. Ah. Non. L'espace d'un instant. Franchement, l'espace d'un instant, j'y ai cru. Et même les IA, en fait, sont en train de se scanner entre elles. C'est violent. Elles se collent au cul, littéralement. Hein. Faut pas chercher. Ah! Un vilain! Bon, je n'arrive pas à le rattraper. Mettre pleine balle parce que je n'arrive pas à rattraper. Oh bah merde, il se fait déjà défoncer d'ailleurs. Pourquoi tu m'as dit corps de portée? Ah! Non! Il est sorti! Merde, il se fait défoncer! Attaque! On puisse avoir des crédits. Faut pas qu'il saute. C'est bon, on l'a eu. Ricard Dwint. Oh là là, toi je t'aime pas dès le départ. Toi tu me parles mal dès le début, ça va pas le faire. Ça je suis désolé, ça marchera pas. Alors, viens me voir. Oh là là, mais en plus tu persistes et signes. Des objets de valeur à déclarer, qu'il est con. Eh, mais tu persistes et tu m'agresses en plus. Franchement. Comment je suis censé le prendre, mon pote? C'est pas en jeu que tu vas devenir riche, effectivement. Par contre, c'est peut-être aujourd'hui que tu vas mourir. Boum. Pas le temps, t'es mort. Au suivant. Toi t'es quoi toi? T'es le piton. Fais gaffe, je suis pas commode. Ok. Bon. Compte tenu du fait qu'on a à peu près 16 km du reste. Peut-être si s'approcher un petit peu de la balise. Est-ce qu'on peut scanner la balise? Ce serait pute. Il y a des gens au moins autour de la balise ou pas? Pas l'impression, hein. Il y a personne, Gaston. Ah ah ah. Non, même pas. Ah si, il y a des gens. Autorité du système. Vous avez du bol, vous êtes gentil, sinon je vous aurais fait payer. Scannerais-tu? Car je te scanne.
Lucio Marione, Marone. Ma... Tu es bien gentil, mais tu es méchant. Je n'ai pas recherché, j'ai voulu te tuer, moi. C'est naze ce que je dis, en fait. Hein. Un peu comme d'habitude. Ah, un Cobra MK4. Cool. Tu es où? Tu es où? Ici. Bon. Oh, j'aurais préféré que tu me dises que tu étais méchant. Bon. Oh bah écoutez les amis, on va se rentrer, hein. De toute façon on va aller payer nos putains de... d'amende là, la con. On va récupérer nos sous puis on va se barrer. Cet épisode n'a que trop duré. Tu lui rentres dedans. Non ça va, ça baigne. Mais il dure une heure cet épisode, voire un peu plus même. Il y en a qui doivent être contents. Alors, crac, freine un petit peu quand même. Hop, voilà. On va essayer d'y arriver du premier coup. Ce serait cool. Alors, où est-ce qu'il est ? Je vois pas. Ah si, d'accord, elle est derrière la planète. Elle est horrible cette planète quand même. Jaune. Elle est jaune avec du noir. On dirait une vieille balle rebondissante de la mort, quoi. Et on n'a jamais été sur un des pôles d'une planète. Enfin, est-ce qu'elle peut en avoir techniquement ? Sans atmosphère, pas de pôle. Intrigant. Je suis curieux de savoir. Pourquoi il n'y aurait pas de pôle sans atmosphère ? Bah c'est pas les pôles magnétiques qui sont gérés, qui gèrent justement l'atmosphère d'une planète. Je sais pas. Une question qui m'intrigue, je l'avoue. Ouais, j'aimerais bien savoir, tiens. Est-ce qu'une planète sans pôle magnétique a une atmosphère ? Appelez, j'ai failli passer à côté parce que j'étais à fond dans la question en fait. Hein. Ok. Voilà. Ouais, je suis curieux de savoir. Franchement, là, ça m'a. Ça va me. Me hanter un petit peu. Ouais, ouais, j'ai beau réfléchir, j'y réfléchis beaucoup, chers amis, là, en ce moment, hein. Et je n'ai aucune idée s'il y a une influence ou pas. Réfléchis à la Lune, elle n'a pas de pôle, techniquement. Enfin, je ne crois pas. J'en ai jamais entendu parler, en fait. Je me base simplement pas sur des recherches ou des trucs que j'aurais pu lire, mais vraiment sur ce que j'ai pu entendre parler ou pas. Et non, j'entends pas. Ça me dit rien. Ça me dit franchement rien. Ouais, je sais pas. Bah si vous êtes au courant, chers amis, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Franchement, parce que ça va être la grande question du moment. Eh bien écoutez, moi je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vais aller récupérer donc dans le service de spatioport mon argent avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc vous retrouvez le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas aussi à cliquer dans le descriptif des épisodes de certaines de mes vidéos, donc en l'occurrence Fallout, Star Wars, Battlefront, Fallout 4, Mad Max, et encore prochainement The Abyssy Murders, donc Agatha Christie, The Abyssy Murders, donc, qui sont en fait les jeux que m'ont offert mon partenaire GamesPlanet.com, qui est toujours aussi généreux envers nous, vous le savez. 256 000 crédits, c'est pas rien. Hop. Donc voilà, encore une fois, merci à eux, merci à vous de votre fidélité et de votre sympathie. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Cette voix.